بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes chers amis, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, inshallah. Nous avions dit la dernière fois que la conséquence la plus nette de la conquête de la Mecque était la soumission de l'Arabie à l'islam. Cependant, ceci ne s'est pas réalisé d'un seul coup, et même au début, juste après la conquête de la Mecque, certaines tribus étaient choquées par l'événement. Ainsi, les tribus de Hawazin, Thaqif et d'autres du sud de la Mecque se sont alliées pour combattre les musulmans. Mais ainsi, les combattants de ces tribus se sont rassemblés dans une vallée dite la vallée d'Autas, qui était proche d'une autre vallée dite la vallée de Hunayn. Ces lieux sont tous à environ 15 ou 16 milles de la Mecque. Le prophète séjournait toujours à la Mecque avec ses compagnons. Ils ont décidé d'aller à la rencontre de ces idolâtres. Nous avions dit que les musulmans étaient au nombre de 10 000 combattants. S'y sont ajoutés 2 000 des Mécois, désormais musulmans. Vu ce nombre, pour les Arabes, ce nombre il était vraiment énorme. Alors, vu ce nombre, beaucoup des musulmans pensaient que la victoire ne pouvait leur échapper. Certains le disaient à haute voix. Alors les idolâtres, conscients de ce fait-là, du fait du nombre, de la supériorité en nombre des musulmans, ils ont préparé une embuscade très bien organisée à la vallée de Hunayn. Arrivé à la vallée de Hunayn et surpris par l'embuscade, beaucoup des musulmans ont battu en retrait. Et c'est là qu'encore une fois le prophète fit preuve de bravoure. Sur sa monture, il se mit à galoper vers l'ennemi en appelant les Muhajirines et les Ansar à le rejoindre. Bien sûr, ceux-ci n'y tardèrent pas. Et grâce à ce courage et cette bravoure, les musulmans ont pu reprendre le contrôle de la situation. Les autres combattants, voyant les Muhajirines et les Ansar s'imposer, les ont rejoints, et ainsi l'armée musulmane a pu plier le sort de cette bataille en sa faveur. La victoire était nette, le butin était énorme, et les Mécois en ont bien profité. De retour à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le retour à la Mecque, les musulmans sont allés assiéger Taïf, la ville de Taïf, qui est toujours en Arabie Saoudite. C'est une ville au sud de la Mecque. La tribu de Taqif qui y habitait était prête pour le siège. Le siège de Taïf n'a pas duré longtemps.
D'une part, les musulmans, tant les Mécois que les Médinois n'étaient pas prêts pour ce modèle-là de guerre, c'est-à-dire le siège, tandis que Thaqif pouvait résister longtemps. Les musulmans ont donc levé le siège et sont retournés à la Mecque. Quant à Thaqif, cette tribu-là se convertira à l'islam plus tard, sans bataille. Si Dieu le facilite, nous en parlerons lorsque nous parlerons de l'année des délégations qui sont venues à la Mecque à Médine pour se soumettre à l'islam. Merci d'avoir suivi cet enregistrement. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.